J'ai envie de jouer là. De suite, monsieur. Et est-ce que tu peux me faire un petit café aussi, un long, puisque j'ai besoin d'énergie là, je suis extrêmement fatigué. Je vous prépare ça. Très bien. Votre café est prêt. Parfait. Merci. En fait, bah, c'est plutôt passé comme ça, finalement. Xbox, lance Rise. Lance Rise. S'il te plaît. Lance Rise. Jean-Michel Edouard finissait alors sa journée en position fœtale dans un coin de sa chambre. C'est marrant parce qu'avant qu'elle sorte, ces consoles, on a pu voir dans les commentaires de vidéos YouTube ou même à la télé ou un peu partout de gros débats hein, concernant laquelle des deux consoles est la meilleure. Du coup, on a vu deux équipes surgir, hein, ceux qui défendaient la PS4 et ceux qui défendaient la Xbox One. Alors c'est marrant parce qu'un pro Xbox One et un pro PS4, quand ils débattaient ensemble, ils avaient l'impression qu'ils étaient dans un combat super stylé, que c'était un petit peu comme ça. Ok, hey yo, la Xbox One est canon. Sur PS4, le live devient payant. Et pour le payer, faut vraiment être un con. Ok, hey yo. Attends, mais c'est complètement débile ce que tu viens de dire. Sur Xbox 360, le live est déjà payant depuis je sais pas combien d'années. Et il l'est encore sur Xbox One. Ah. Ok, hey yo. La PS4, c'est la meilleure. La Xbox, tu l'as connectée à Internet toutes les 24 heures. Du coup, quand tu pars en vacances, tu l'as dans le... Ok, hey yo. Attends, je t'arrête tout de suite, mais ce que tu viens de dire, c'est complètement débile. Qui part en vacances avec sa console? Moi, je pars en vacances avec ma Xbox, et j'amène même ma Pelotrose. Alors qu'en réalité, d'un point de vue extérieur, on avait juste l'impression de voir ça, en fait. La PS4 est mieux. Non, la Xbox One est mieux. Non, la PS4 est mieux. Non, la Xbox One est mieux. Tu dis que la PS4 est mieux. C'est la Xbox One qui est mieux. Et il y avait toujours, dans ce fameux débat, un mec qui sortait de nulle part et qui arrivait pour dire « Excusez-moi, le PC est plus puissant et les graphismes sont meilleurs, ok ?» Xbox One est mieux, hein? Bon, non! Rien ne peut tester la puissance du PC! Ce mec, j'ai l'impression que c'est un petit peu le hipster du débat en fait. Fuck les consoles! Le PC est mieux! Attention, le message qui va suivre est extrêmement important. Aucune de ces deux consoles n'est meilleure que l'autre, hein. Votre choix va juste dépendre des exclusivités qui vous intéressent le plus et de vos goûts selon l'interface, la troupe de la console, etc. Même si pour moi, la meilleure des deux reste là.